Bonjour, bienvenue dans le défi 86. Ben, on est dépassé le défi 86. En fait, c'est la 87e vidéo. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire une vidéo ce matin suite à cet événement extraordinaire d'hier. J'ai été voir tout le monde. Je pense que j'ai parlé à tout le monde. Merci à tout le monde d'être venu me voir, d'être venu me jaser. On a eu du plaisir. Ça a été super agréable. Aujourd'hui, c'est tellement un gros, 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 gros merci. Vous savez, la gratitude, c'est quelque chose qui est extrêmement important à porter. Et moi, c'est ce que je vis ce matin. Puis j'ai envie de les nommer. Je sais que c'est dangereux de les nommer parce qu'on risque d'oublier. Mais j'ai des remerciements spéciaux à faire parce que hier, ça n'aurait pas été possible avec toute la contribution de ce monde-là. C'est quelque chose à organiser, là, vraiment, là. Puis il y a des gens qui ont contribué tellement à faire de cette soirée-là un succès. Premièrement, je voudrais dire un gros, gros merci à Donald. Donald, merci, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup ton cadeau, que tu aies pris le temps de faire ça, que tu aies pris le temps de faire une toile qui est très, très, très symbolique. Très beau, très beau. En tout cas, merci, tu es cher dans mon cœur, Donald. Merci à Eudoxie. Eudoxie, qui est une complice, qui est une mentor, qui fait partie de mon mastermind, qu'on se nourrit continuellement, tous les mois, on se rencontre religieusement depuis 2 ans. C'est une intervenante dans le 7e ciel aussi, avec nous. Eudoxie, c'est une personne avec un cœur tellement, tellement grand, tellement énorme. Merci, merci Eudoxie pour ta contribution. Ça me fait très, 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 très chaud. Contente que tu aies gagné le castor, même si c'est le lion. Pas le lion, mais le loup que tu voulais. À suivre. Merci à Robert Savoie. Robert, c'était phénoménal. Hier, je me suis permis quelque chose. Je vais t'en reparler. T'as fait tirer avec énormément de générosité une retraite Phoenix. Et la façon que je les faisais tirer, c'est que je faisais tirer le morceau de vêtement avec la couleur parce que j'avais instauré un code vestimentaire. Et là, ça s'est avéré qu'il y avait 2 personnes qui étaient exactement habillées de la même façon. Donc, pantalon noir avec chemise blanche et jacket noir par-dessus. Je ne pouvais pas trier. Fait que j'ai offert un deuxième cadeau comme tu as offert pour la deuxième dame. Désolée, en tout cas, on s'en reparle. Okay, Robert, fait que c'est moi qui contribue. François, merci François. T'as été là avec nous autres, en tout cas en cœur. Définitivement, on a parlé de toi pendant la soirée. Merci pour ton témoignage. Ça a été délicieux, extraordinaire. Merci du fond du cœur. Rachel. Rachel, que dire de Rachel? Rachel, c'est tellement d'explosions, tellement... Écoute, Rachel, ça fait... Je pense qu'elle a goûté à tous mes produits, Rachel, depuis quelques années. Puis c'est une personne qui prend de l'expansion en elle-même, tu sais, qui se retrouve et que, tu sais, c'est un grand bonheur pour elle, là, qui est vraiment là, au fond d'elle. Merci, Rachel. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir dansé avec nous autres, d'avoir fait les folles sur scène. Merci pour la contribution avec ton mari, avec Christian, pour les pommes, les paniers de pommes, la nouvelle sorte de pommes Sunrise aux pommes. Merci, merci. Annick, qui voulait plus venir danser sur scène. Annick, merci, élève, complice. Merci, Annick, dans cette complicité de néosexopédie avec moi, de propulser encore et d'apporter ta couleur à travers ça, qui est tellement extraordinaire. Je trouve ça phénoménal ce que tu fais. Merci, Annick. Merci d'avoir osé monter sur scène. T'étais fabuleuse, c'était extraordinaire. T'étais tellement belle. En tout cas, merci. Je suis contente de ton dépassement et de tout ça. Qu'est-ce que ça l'a donné? C'était fabuleux. Geneviève. Geneviève, je t'embrasse. Merci d'avoir été là, de t'être déplacée, d'avoir pratiqué tout ça, de me recevoir chez toi régulièrement quand on fait des salons ensemble. On partage plein de complicité, moi, puis je t'aime, Rachel. Merci pour ton dépassement, toi aussi, à venir faire les folles sur scène comme ça, c'est extraordinaire. J'ai un gros merci particulier à Annabelle. Annabelle Boyer,
qui, mon Dieu, Annabelle, si t'avais pas été là, là, écoute, tellement un gros morceau. Annabelle et Sarah, sa fille, se sont occupées de non seulement la vente de livres au départ, hein, c'est tout orchestré de tout ça que j'ai pas du tout à me casser la tête avec ça. Écoute, Annabelle, merci tellement. Mais Annabelle, c'est plus que ça. Non seulement elle a appris la chorégraphie parce qu'elle est venue danser avec nous autres à Charleston sur scène, mais en plus, c'est elle qui était mon maître de cérémonie pour la cérémonie autochtone. Et elle a fait ça d'une façon, mon Dieu Seigneur, tellement extraordinaire. C'était d'une beauté. Ça a tout été filmé professionnel. Mais que j'aille ça, je vais vous les montrer. Mais il y en a qui ont pris des Facebook Live hier. Fait que c'est déjà en ondes pour certaines parties. Si vous voulez voir, c'était d'une beauté, là. En tout cas, très chaud. Les gens sur place, il y en a qui ont pleuré. Ça a été vraiment, là, touchant pour tout le monde. Ça a été touchant pour nous autres. En tout cas, très heureuse d'avoir fait ça de cette façon-là. Et Annabelle, qui était préparée d'une façon tellement extraordinaire, professionnelle. Que dire? Tu sais, c'est vraiment quelqu'un, Annabelle. Et son témoignage représenté l'éditeur. Que dire, Annabelle, merci. Sarah, merci pour ta présence. Écoute, elle a suivi tout le long de la cérémonie. Super présente, cet enfant-là. Elle s'implique énormément. Elle a beau avoir que 15 ans. C'est tellement de maturité dans cet enfant. C'est extraordinaire. C'est la fille à Annabelle. Elle était là pour la vente de livres. Elle s'est occupée de tout le monde. Elle s'est occupée des petits détails. Elle s'est occupée sur scène à tenir le micro pour sa mère, à se promener, à faire la mise en scène. C'est fantastique. Sarah, félicitations. Merci. Franchement, merci. J'ai essayé de penser à quelque chose pour toi, ça n'a pas de bon sens tellement que tu t'es impliquée. C'était vraiment chaud pour moi. Un merci à mon mari. Merci Richard pour t'être défoncé. Comme ça, c'est vraiment pas habituel pour lui, hein, je vous le dis, ça c'est un hyper dépassement. Non seulement d'avoir dansé sur scène, parce que quand j'ai connu ce gars-là, il dansait comme un 2x4. Mais ça bouge bien, bien carré. Puis d'avoir lâché son fou, de s'être permis d'être imparfait, il voulait le faire, il a vécu son rêve lui aussi hier soir, et ça a été franchement très bien. Il s'est bien amusé. C'est lui qui a fait le gâteau. Il y a 12 recettes de gâteau dans ce gâteau-là. Là. Il était mais savoureux, succulent. Il a dansé, il a participé, il a eu du plaisir. Il s'est éclaté. Moi, j'étais wow. Merci à mon conjoint. Merci d'être là avec moi. Merci à mes enfants d'avoir été présents hier, malgré qu'ils ont des petits-enfants qui sont couchés tôt normalement, qui ont changé leur horaire pour être présents pour moi, parce que c'était important pour moi. Merci pour certains dépassements que vous avez dû faire, changer vos horaires. Il y en a qui avaient travaillé de nuit, qui venaient de se lever, qui retournaient travailler. En tout cas, mes enfants ont été là. Merci. D'avoir été là. Ça m'a fait tellement plaisir que vous soyez présents. Vous êtes choquants pour moi. Il devait monter sur scène pour faire les quatre animés de les représenter. Mais il y a une de mes filles qui ne voulait pas, fait que c'est correct, on a décidé de faire ça autrement. Mais il était là, il était présent. Mes petits-enfants étaient présents aussi. On les a entendus se promener à travers la soirée. C'était extraordinaire. C'était de la vie, c'était les enfants, c'était beau, c'était très beau. Un merci aussi à Michel qui a joué la musique avec la flûte autochtone. Ça nous a tellement... Écoute, Michel, fais vivre l'émotion. Tu joues dans l'âme. C'est tellement beau ce que tu fais. C'est autodidacte. Ça part de là. Puis moi, merci d'avoir réalisé mon rêve de vivre ça, cette émotion-là comme ça. Merci Olivier. Olivier qui est un des caméramans de mon émission Plaisir d'amour, qui est venu tourner pour nous autres hier soir professionnellement avec deux caméras professionnelles, qui a fait le tour, qui a fait un travail absolument extraordinaire. Merci Olivier, j'ai super hâte de voir ça, qu'est-ce que ça va donner. Je vais vous partager ça aussitôt que ça va revenir. C'est un travail extraordinaire qu'a fait cet homme-là. J'ai hâte de voir le résultat que ça va donner. Et
je vous dirais finalement merci, 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 merci à tous ceux qui se sont déplacés. Il y en a qui sont venus de loin, qui ont fait des heures de route pour être présents. Il y en a qui sont partis tard. Il y en a qui venaient de Gatineau. Il y en a qui venaient de Franklin, proche des lignes des États-Unis. Il y en a qui venaient d'un peu partout, qui ont fait vraiment du transport. Il y en a qui sont venus en autobus pendant un bon temps. Céline, je pense à Donald, je pense que c'est... Merci, merci, merci à tout le monde. Merci même à mon cousin, il n'y avait pas beaucoup de la famille, ma belle-sœur, mon beau-frère qui était là, mes belles-sœurs qui étaient là. Merci, je sais que ça sortait de leur zone de confort, ils étaient présents, tout le monde était là de cœur. En tout cas, c'était une soirée tellement émouvante, tellement prenante, en tout cas pour moi, pour tout le monde. Je vous adore. Merci infiniment. Annabelle! J'ai parlé de toi, Annabelle. Merci. Merci, merci, merci. Si vous ne connaissez pas Annabelle, venez voir tout ce qu'elle fait. C'est fantastique. Fait que sur ce, que dire de plus? Je reste avec. Je pense que je vais toujours m'en souvenir. Ce fut une soirée extraordinaire. Puis je pense que c'était vraiment de cœur. Tout le monde, c'était une soirée de cœur. Fait que sur ce, je vous dis bye et à la prochaine. Je ne sais pas si ça va être demain, mais on va se revoir, c'est sûr. Ciao. Bye bye.